Merci. 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 Ah. Le pote. Et c'est pas un bug. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour mes petits amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Ghost Paranormal 22. Si tu aimes le paranormal, tu es au bon endroit. Alors je t'invite à t'abonner et de cliquer sur la petite cloche qui t'avertira la mise en ligne de nouvelles vidéos sur notre chaîne. Et si tu as aimé la vidéo ou les vidéos, je t'invite à liker et à partager un maximum. Merci mes petits amis, à tout de suite pour une nouvelle aventure. Voilà mes petits amis, nous avons mis un toit fixe, donc avec une boule à plasma là-haut dans le coin, parce qu'on sait que la dernière fois ça leur avait donné de l'énergie. La fameuse lampe aussi qui s'était déclenchée, qu'on a remis, et puis le théréline. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous faire montrer en approchant. Tu me dis si tu vois, Steven, c'est bon ? Non, c'est bon. C'est bon ? Vous voyez ? Aucun... C'est bon, là ? Ah, c'était bon. Non, c'est bon, je vois. On voit ? Aucun... voilà. Il n'y a rien qui fluctue au niveau de l'appareil. D'ailleurs, aussi bien en Wi-Fi ou en téléphone portable ou autre, en réseau, vous n'avez rien. En électromagnétique non plus pour l'instant, et ni électrique, ni les champs électriques. Malgré qu'il y a la, comme on dit, qu'il y a la boule à plasma dans la pièce, que logiquement ça émet de l'énergie, ça émet des champs électriques. Vous voyez, l'appareil vous indique que non. Et on peut le mettre aussi à côté. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir, je ne sais pas si on va voir de là-haut, mais. Absolument rien. Voilà. Par contre, oui, bien sûr, si je mets là. Ça fait même pas sonner, mais ça marche. Ah non. Ah voilà. Faut vraiment que je sois
On va dire, allez, 40 cm. Vraiment, on est à 40 cm pour que la boule émet un champ électrique. Donc, si le. Voilà, comme la dernière fois, le quad qui se déclenchait, c'est pas ça. Parce que ça ne va pas jusque-là. Donc, si le thérémine se déclenche, c'est absolument pas la boule à plasma. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à jouer avec nos appareils. Prenez de l'énergie au niveau de la boule. Alors, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est vous qui êtes tout près de l'appareil. Est-ce que vous pouvez vous en éloigner? Tu crois que la pièce s'est chargée en électricité avec la boule à plasma? Je pense pas. Et ça dit quoi là? Ça, moi je regardais XDX, tout ça, c'est pour ça qu'on a ça. Et lui, il en a un truc comme ça. Bon, maintenant il a celui-là, mais avant il avait un plus grand, mais comme il dit, c'est plus facile de travailler ça. Et ça, c'est ce qu'il a dit, c'est fiable à 100%. Il dit, je connais très bien cet appareil-là. Une fois qu'il est calibré, s'il se déclenche, il ne se déclenche pas pour rien. Toi, c'est pas ça qui a charmé. Voilà, il ne se déclenche pas pour rien. S'il se déclenche, c'est que c'est pour ça que je voulais le mettre là, parce que je t'ai fait montrer, Steven, la fois qu'on est venu, la lampe et tout, la lampe là, celle-ci, elle s'est allumée, tu peux regarder la vidéo, elle s'allumait au moins 10 fois, elle s'allumait, ça montait de 3 paliers, ça l'éteignait, ça, elle se rallumait, et nous on était en pause, et au moment où on entend nos voix, qu'on entend nos voix à la caméra, ça s'éteint, elle s'éteint, elle se rallume plus. Le pod qui s'était déclenché, ben ça prouve bien que c'est pas ça qui le faisait déclencher. Le truc était là et le pod était là-haut. Je croyais que ça avait chargé la pièce. Ben non, tu vois, la preuve. Mais non, même pas. La preuve, c'est que ça émet que à 40 cm. Ça émet pas dans toute la pièce. Même pas. Tu vois, je crois que c'était un scooter, moi, tu vois. Ah, mais et c'est pour ça que j'ai dit, mais stop, stop. J'ai dit, mais non, c'est dans le cercle. Mais non, mais j'entendais le détecteur. Oui, ben je croyais que c'était de ça que tu parlais. Après, je croyais que l'autre, c'était la moto. Justement, en plus, alors s'il était dans le cercle et puis qu'il s'est mis à sonner. C'est que
qu'il était allumé, on a eu les piles. Bon. Bah écoutez, si c'était vous. C'est un truc. Va continuer. De toute façon, on le verra. Hein. Je le verrai à la caméra. C'est. Qu'est-ce qui l'a fait déclencher, là, tu vois. Le problème, c'est que quand tu as vu qu'il est resté en continu, on peut pas le laisser en continu, tu vois. Ça fait le bruit, tu vois. Bah écoutez, n'hésitez pas à recommencer si c'était vous. Vous avez pas lâché le détecteur. Si. Ah, moi j'ai rien pris, de toute façon je les avais pas. A tout à l'heure. Qui jouait avec le Thérémine. C'est vous qui faites déclencher l'appareil ? Est-ce que c'est vous qui faites déclencher l'appareil? Si oui, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît?
Mes petits amis, je vous explique. Hein, vous avez, de toute façon, vous avez dû le voir à la caméra. Mais voilà, ça fait deux fois qu'on met le thérémine alors qu'il est, il est réglé, vous voyez. Il est réglé parfaitement. Et donc on approche. Voilà. Et ça fait deux fois qu'on remonte et qu'il se déclenche là. Alors après, à voir à la caméra si c'est pas une bête. Non, parce que je sais qu'il y a une chauve-souris, mais. Il faut que ça reste stable dessus, quoi. Ouais. Ou à côté. Là, il n'y avait rien. Et ça continuait. Est-ce que vous pouvez faire sonner l'appareil, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil avec l'antenne? Je sais que dans cette pièce, il se passe quelque chose. Hein, puisque nous sommes venus déjà la dernière fois. Vous nous avez vus. Vous nous connaissez. Donc vous voyez qu'on n'est pas là pour dégrader, abîmer ou casser quoi que ce soit. Vous avez vu qu'on est ici simplement pour entrer en communication avec vous. Le souci, c'est qu'on n'arrive pas. Parce qu'à chaque fois, vous déclenchez nos lampes, ou comme là, vous déclenchez le thérémine si c'était vous, quand on n'est pas là. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Allumer la lampe ou vous approcher de l'appareil? Vous pouvez toucher la boule à plasma aussi là-haut pour prendre de l'énergie si vous le désirez. Vas-y. Ah bon? Comme un petit vertige. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi le bruit? Je sais pas, le détecteur, c'est venu derrière toi. Ouais, le détecteur, c'est rien, mais c'était quoi le bruit qu'on entendait dans le fond? C'était quoi le bruit? Un touc. C'était de mes pieds, quoi. Non, c'était, ça venait de là-haut. Ah ouais, je... ça va refaire quand même la dernière fois, comme quand on est là. Ah, pas, la seule fois où ça s'est déclenché, c'est quand on était à la grange, Steven, avec la lampe. Parce que quand on était en haut, dans la grande pièce, là où il y a la cheminée, là où il y a le pressoir, t'as entendu? Entendu là? Non. Ça l'a refait. Oui, je sais pas, ouais. Et quand on était dans la pièce, vu, on est tout le temps qu'on est resté, la lampe s'est pas allumée. T'as vu quand on est parti? Quand on est revenu, elle était passée du vert au rouge ou du rouge au vert. On va remonter, mais on t'a pas la méthode pour. Ouais. Et là, ça s'est déclenché, je sais pas combien de fois, et c'est toujours quand on n'est pas là. N'ayez pas peur de nous, on ne vous veut aucun mal. N'ayez pas peur. Ça bouge pas, ouais, non, il n'y a aucun champ électromagnétique pour le moment. Aucun champ électrique. Et aucun wifi, aucun portable. On a, voilà, on peut le coller contre nous. Hein. On n'a aucun portable sur nous qui, voilà, qui est fonctionnel. Il n'y a que celui à Séverine. Mais il est éteint. Mais il est éteint. Il n'est même pas en mode avion parce que mode avion, ça détecte aussi. Donc nous, il est éteint. Voilà, ça prend 2 minutes à rallumer un portable. C'est pas la fin du monde. Non, mais il a autre. Non, hein? Mais le mien. Non, mais il y a que celui à Séverine. Mais... Moi, le mien, de toute façon, j'en ai pas, à part celui pour le boulot, mais il reste tout le temps dans la voiture. Bon, bah écoutez, si vous voulez pas déclencher l'appareil, nous allons remonter. Non, elle était ici. Alors, on n'arrive pas. Parce que chaque fois,
J'ai entendu le bruit. Non? De toute façon, il y a la caméra, on l'a entendu. Le pire à la caméra. C'est que il se déclenche pas, hein? Écoutez, n'hésitez pas à recommencer. Si vous le souhaitez, c'est fait pour ça. Donc vous pouvez redéclencher l'appareil si vous le désirez. A tout à l'heure, merci. Ouais, bon, ça c'est normal que le K2 fasse déclencher le. Mais non, c'est moi qui approche ma main. Mais oui, c'est un truc qui s'approche du lourd. Oui, parce que le truc qui s'approche du lourd, c'est ce que je te dis. Alors, y a rien. Bon, allez. On peut montrer là. Doucement. Approche. Approche, approche. Approche encore. Hop, voilà. C'est bon. Vous voyez, mes petits amis, il n'y a absolument rien. Tous les traits sont en bas. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a. Il n'y a aucun champ, ni magnétique, ni électrique, ni wifi, ni portable. Je ne sais pas ce qui a déclenché le nounours pod. Comme en bas, vous avez vu, hein, y a aucun champ non plus, et à deux fois le térémine s'est déclenché. Voilà, il a plus l'air de se déclencher par contre. Vous voyez, donc c'est bien, il n'y a pas de défaut puisque il était très bien calibré, quoi. Il était très bien calibré. Bon, bah, écoutez, on va vous laisser, on va faire une petite pause de 5-10 minutes. N'hésitez pas à jouer, à changer la couleur de la lampe si vous voulez. Il faut juste appuyer dessus. Sur le dessus, vous pouvez la frôler, vous pouvez la changer de couleur. Et le nounours aussi, si vous voulez le prendre, le toucher. Parce que je sais qu'apparemment, la dernière fois qu'on est venu, c'était une chambre. Ça a l'air d'être une chambre d'enfant. Alors on ne sait pas si c'est garçon ou fille, peu importe. Que ce soit l'un ou l'autre, vous pouvez, voilà, utiliser la petite balle. Ou prendre le nounours si vous le désirez. N'hésitez pas à jouer avec. On l'a ramené exprès pour vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.
Là, c'est posé sur le pied. Et puis c'est tout. Ouais. Ouais, ça va. Et là, ça rentre dans le mur. Bah oui, de toute façon, c'est pas possible. Ça rentre dans le mur. Donc le boum boum, c'est une avec la tabelle. Ouais. Et là, par contre, le bruit qu'on entend des Steven, je peux pas. Le bruit qu'on entend des Steven, je peux pas. C'est vite, c'est mieux. C'est vite, t'as toujours joué dans le vide. Coute. Ouais. Non, t'as marre de faire flipper comme ça, là. Aucun chant, mes petits amis. Aucun chant qui vient troubler l'appareil. Ni électrique, ni wifi, ni champ magnétique. Rien.
Et puis ça serait des piles, ça le ferait encore tant que t'es à côté. J'approche, il le fait plus. Il le fait plus. C'est con, ça ne sonne pas très fort. Tiens. Oui. Vous pouvez le toucher un peu plus fort pour qu'il puisse faire de la lumière et de la musique un peu plus fort, s'il vous plaît. Je viens de l'éteindre et on va le réinitialiser. C'est vrai. C'est voir si c'est pas un bug. Mais je crois pas que ce soit un bug. Je vais l'éteindre 2 secondes. Allez, je le rallume. Voilà. Vous pouvez retoucher le nounours ? S'il vous plaît ? Mais non, c'est pas facile, on fait toujours ça. Si jamais il a jamais déclenché. Là, ça le fait plus. Tu crois que c'est parce que on est là ou alors c'est parce que c'était un bug du nounours. Tu verras bien sur la caméra s'il l'a fait pendant qu'on n'était pas là ou alors c'est juste quand on est monté. Ouais, moi aussi, ouais. Bonsoir, moi je m'appelle David. Moi c'est Séverine. Steven. Alors la dernière fois que nous sommes venus, nous avons fait une petite séance de spirit box dans cette pièce. Et on a entendu un enfant. Alors je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Mais on l'a entendu. Et vu les dessins, enfin, vu la couleur déjà du mur, je pense plus que ce soit un garçon. Et puis les dessins au mur, qui ont été faits au mur, gravés directement sur le mur, hein, d'une maison qu'un enfant aurait pu dessiner, puisque c'est pas un adulte, ça c'est sûr. Donc on pense que c'était une pièce, alors ou une pièce de jeu, ou une chambre pour les enfants. Si c'est le cas, vous pouvez vous approcher de nos appareils pour nous dire oui, effectivement, c'était une chambre d'enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment-là ?
Approchez-vous, n'ayez pas peur. On est ici en toute amitié. En aucun cas, nous ne vous voulons du mal. C'est mon ventre. Vous voulez bien vous approcher, s'il vous plaît? Nous allons faire une petite séance de spirit box avec vous. C'est simplement une petite radio modifiée qui permet de vous entendre. C'est inoffensif pour vous. N'hésitez pas à vous rapprocher. Bonsoir. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Tu l'as senti, là, à l'instant, il y a 5 secondes. Il y a des frissons partout, je sais pas pourquoi. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez déclencher le nounours? Est-ce que vous pouvez le toucher, s'il vous plaît? Vous touchez la lampe? Est-ce que vous avez peur de nous? Fixe en bas. On va le mettre. Je sais pas. On va le mettre. Mais on va le mettre. Ici. Et puis nous, aller en bas. Oui, peut-être ça marche pas. Ça dépend du capteur où il se trouve dans l'ours. C'est pour ça, peut-être. Si tu mets le capteur plus haut dans la tête. On vous a mis des petits appareils, n'hésitez pas à les toucher. A tout à l'heure. Bonsoir. 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 Le voyant rouge est toujours allumé là. Oui. Vous
Est-ce que vous êtes avec nous là, en ce moment? Steven. Est-ce que vous pouvez interagir avec un de nos appareils, s'il vous plaît? Pour nous montrer que vous êtes là. C'est la même goutte que j'ai entendu tout à l'heure quand on était là. Ouais. Ouais, ouais, c'est, à mon avis, c'est de l'eau qui doit goûter par là, je pense. Plus la rivière qu'on entend, c'est normal, il y a une rivière qui passe derrière. Vous pouvez nous faire un signe de votre présence, s'il vous plaît? Soit en faisant du bruit, en tapant sur quelque chose, lancez quelque chose. Pas sur vous. Ou alors interagir avec nos appareils. N'hésitez pas à vous approcher. Vous pouvez nous toucher comme vous avez touché Cédric la dernière fois? Vous l'aviez touché dans le dos? Vous pouvez recommencer sur l'un d'entre nous? C'est quoi? Laisse l'éteindre, c'est pas grave. C'est s'il se passe quelque chose qu'il faut l'utiliser, bah. J'ai de nouveau la tête qui tourne. Oh, même, pareil que tout à l'heure, dans la même pièce, dans cette même pièce. C'est cramé qui fait ça peut-être. La tête qui tourne. C'est pas un peu mort. Parce que je l'avais pas quand on était en haut. Vous voulez bien déclencher la lampe qui se trouve au sol, s'il vous plaît. Juste en tapant dessus, sur le dessus.
Faites du bruit. Parlez-nous, s'il vous plaît. On sait que vous êtes ici. Pourquoi vous ne vous manifestez pas? Approchez-vous. On est déjà venu la dernière fois, vous savez que vous n'avez rien à craindre. Nous allons faire une séance de Spirit Box. Vous connaissez cet appareil maintenant. Donc approchez-vous, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre. Donc est-ce que vous êtes là avec nous en ce moment ? Approchez-vous, s'il vous plaît, on ne vous entend pas très bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, excusez-nous encore si on ne vous entend pas immédiatement. On vous entendra après analyse des bandes. Et si vous vous rapprochez assez près et que vous parlez clairement, on pourra vous entendre tout de suite. Qu'est-ce que vous êtes avec nous? De quoi? Pareil. En gros.
Ah oui, tu l'éteins. Bah oui. Mais donc elle s'est allumée en blanc. Ils sont restés dessus pour mettre la couleur. Ouais, non. Non, je l'ai préparé pour que quand il touche, ça s'allume en couleur. D'accord. Bah, ah oui. D'accord. Ah oui, je peux éteindre carrément. Ça sert à rien. C'est tout. Non, c'est trop long. Bon, on va ici. Et donc, si on me regarde. Il faut t'appuyer dessus. Demi-heure qui tourne par contre. Tu veux changer? Bon, on va à la pause et on le change après. Est-ce que vous pouvez rallumer la lampe, s'il vous plaît ? Comme vous l'avez fait deux fois,
Approchez-vous. Pourquoi vous ne l'allumez pas devant nous ? Vous pouvez la remettre sur la lumière rouge ? Allez-y, maintenant. Mais si. J'en étais sûr. Pour l'instant, on va par là. Oh, c'est quoi? Ah, c'est vous. En verre? Pourtant, elle était éteinte. Ouais, tu dis quoi? Tu dis en bas? Mais oui, mais c'est clair. Ah, tu parlais de eux? Oui. Tu vois des gens qui veulent bien ou quoi? Mais non. Deux fois.
Est-ce que vous voulez bien rallumer la lampe? Est-ce que vous avez fait exprès de nous attirer en bas? Vous n'aimez pas qu'on soit là? Vous pouvez toucher aussi l'appareil, le boîtier noir avec l'antenne. Est-ce que vous pouvez vous en approcher? Allez voir si vous aimez la musique. Avec le bruit de fond, il s'est arrêté, non? Non, il est arrivé. C'est ouf quand même. Mais comme la dernière fois, ça n'a pas voulu nous parler à la Spirit Box, à rien. On était là, ça, à part à la grange, ça s'est déclenché une fois, sinon rien. Et par contre, dès qu'on sortait, faire une pause, ou qu'on allait ailleurs, on revenait, c'était allumé. Ça s'est pas allumé. Ah, le pod, mais pas. Il est très léger, quoi. Vous savez, on ne vous voit pas, nous. Vous pouvez toucher les appareils, s'il vous plaît? Vous montrer que vous êtes là? Je vois qu'il est en train de passer. C'est tombé, quoi. Merci beaucoup. Vous pouvez encore appuyer et changer la couleur? Changer la couleur, s'il vous plaît. De l'autre côté. De quoi le côté? Le plan fixe, celui-ci. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci. D'avoir allumé la lampe à plusieurs reprises. Nous allons le mettre, je pense, dans la pièce où se trouvait certainement la cuisine. Nous allons mettre la lampe de l'autre côté, donc n'hésitez pas, si vous le désirez, à aller l'allumer. Ou alors déclencher le nounours. Vous pouvez le prendre, il est là pour ça. Allez. On va la laisser allumer en rouge. Voilà, laissez allumer. Là, c'est la chambre de couleur. Si tu la cognes, elle ne marche pas. Hein? Si tu la cognes. Non. Que quand tu appuies sur le dessus, que ça. Bah oui, je comprends pas pourquoi. Tiens, t'as entendu le bruit encore? On peut les changer, hein. On met une deuxième. Non? Bah, elle est en bas. On s'en sert. Oui. Ou en bas? Et nous, on prend celle-là, puis on. Bah, comme tu veux. Vas-y. Ou en bas? Non, elle est pas en bas, elle est par là. Elle est pas allumée. C'est comme ça.
S'appuyer, tu vois. Non, quand tu mets la couleur, tu prépares la couleur, c'est bon. On dégage ça, tu vois. Il n'y a pas de dorme, c'est sûr. Bah ouais, justement, c'est pour ça que c'est bizarre. Ça se déclenche pas comme ça. Quand tu veux garder dans la main, ça se déclenche pas comme ça. Non, mais la colle de pas. La colle de pas. Bah, je la connais dessus, là. Ouais, tu peux. Alors, bon, bah, n'hésitez pas hein, à rallumer la lampe si vous le désirez. Merci. Il va servir de l'huile, si tu veux. Bim. Dans ma main. Quoi? Mais c'est allumé, là, non? Mais c'est dingue, quand même. Ouais, ça se rallume. Ouais, tu vas te calmer, là. Il te suit. Il te sent pas lourd? Ouais, il s'allume tout seul, le truc. Hein? C'est dingue. Placement.
t'allumer, moi. Je vais éteindre les deux, moi. Bon. Pourquoi ça se déclenche alors que... Il n'y a pas d'onde. Mais c'est dingue ça, mais c'est quoi ce délire? Elle change de couleur tout seul, mon gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là? En ce moment? Est-ce que c'est vous qui allumez la lampe et qui l'a changé de couleur? Est-ce que vous pouvez la rechanger de couleur encore? S'il vous plaît. Mets-la sur éteins-la mais en la mettant sur la blanche. Ouais, éteins-la. Non, voilà. Laisse-la comme ça. Ah, si elle s'allume sur le blanc, c'est bizarre. Tu la poses pas? Ah si, je peux la poser. Ah mais on la verra pas là, Steven. On m'a coupé les pieds. Ah si. T'as coupé les pieds. Ah, elle limite. J'ai pigé, on va la voir, de toute façon, si elle s'allume... C'est bon. Je vais passer en headshot. Enregistrement pièce duo. T'as entendu le pod là? Non, c'est toi qui as appuyé ce bouton. T'as pas entendu un léger tuc? Voilà. Et j'ai vu un truc blanc. Là, juste là. Ici, ça fait. Hein? Pourquoi? Ah non, mais attends. Non, c'est pas moi. Non, puis j'ai bien vu un truc. Oh. Si léger, mais. Ah. Eh. Merci. Eh, regarde, eh. Merci encore. Si, c'est baiser. Réteins-le, Steven. Là, c'est pas... Et il faudra essayer de la tester à la maison. Voir si c'est pas un défaut, mais ça me semble bizarre quand même, quoi. Donc bonsoir. Bonsoir. Alors si c'est vous qui déclenchez la lampe, est-ce que vous pouvez la laisser de côté pour le moment ? Et déclencher le pod. Est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? L'appareil avec l'antenne. Avec la petite... À côté.
avec la petite lumière bleue. Et c'est ce que j'allais dire. T'as pas vu que ça a fait un flash? J'allais le dire, je croyais que c'était le cadeau qui avait fait. Non, c'est pas. Merci. Eh, c'est juste. Eh, regarde, ça monte. Continuez. Vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît? Vous pouvez l'éteindre? Merci. Est-ce que vous pouvez. Oh, c'est bizarre quand même. Si vous restez longtemps appuyé sur le dessus, ça va faire de la couleur. Est-ce que vous pouvez faire ça? Il ne manque plus. Est-ce que vous pouvez la réteindre, s'il vous plaît, la lampe? La montée? Ouais. Parce que de toute façon, pour l'éteindre, ils sont obligés de monter les trois paliers. Éteignez-la, la lampe, s'il vous plaît. Allez-y, maintenant, éteignez la lampe. Je sais pas, oui. Voilà, c'est un peu. Je comprends pas. Bah oui, je comprends pas. Éteignez-la, s'il vous plaît. Vous touchez l'appareil avec l'antenne qui se trouve à côté. Et puis c'est bizarre, Steven. T'as vu en bas la dernière fois quand elle a fait ça, elle s'est déclenchée en blanc. T'as vu la musique à chaque fois? Ça se coupait, ça se rallumait, ça faisait du comme quand tu l'allumes. Regarde là, elle se coupe, elle fait pas de musique. Oui, mais quand elle fait de la musique, c'est quand elle est éteinte complètement. C'est une batterie, quoi. Ouais. Bah, c'est ce qui s'était passé en bas. À chaque fois qu'elle s'éteignait, elle se rallumait. Elle faisait la musique. À chaque fois. Jusqu'au moment où on entend nos voix, on entend ouvrir la porte. Et là, tu vois la lampe, elle s'éteint. Et plus rien. Elle ne se rallume plus. Ta mère, elle s'approche. Elle va voir vers la lampe. Elle essaie. Elle fait, ah ben non, bah, il n'y a plus de batterie. Et c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Ben oui. Éteins-la, Steven. C'est ça, risque de faire trop vert vu que je suis en night shot. Bah écoute. Vous pouvez allumer la lampe en bas, comme ça je serais sûr et certain qu'il n'y a pas de défaut à la lampe. Hein? Vous pouvez allumer celle d'en bas, s'il vous plaît? Vous déclenchez le térémine, l'appareil avec l'antenne. C'est mon ventre. La dernière fois que nous avons quitté cette pièce, sur l'enregistrement, quand nous avons écouté, on a entendu une cloche et une voix. Vous pouvez reproduire ce son, s'il vous plaît?
pas non plus, là. Non. Hein? Bah non, tout à l'heure, elle faisait que ça te sera allumé tout de suite. Oh, j'ai mal à la tête. Gros. C'est ouais, j'en sais. Hé, hey, regarde. Il s'est fait partout seul, le mec. Je suis en train de pleurer. Vas-y, dis l'arme d'état. Non, non, c'est bon. Vas-y, essaye. Non, je vais pas gâcher ce moment, ça va pas marcher. Là. Mais non, pas plus fort, ils sont au troisième palier. Faut qu'ils... Là, s'ils rappuient, ils vont l'éteindre. Non, il reste encore un, je crois. Non, non. Non, non, c'est le troisième, c'est le plus fort. Éteins-toi, là. T'as gâché, t'as gâché, t'as gâché. C'est plus bien. Ouais, mais c'est... C'est quoi? Ça, ça me dit pas... Hein? Simulation. Ça me dit pas si c'est un bug ou quoi, j'en sais rien. C'est bizarre. C'est bizarre. Peut-être un bug, peut-être parce que du fait qu'il a... Elle est chargée à fond. Elle est chargée à fond. Elle a fait ça. Alors je sais pas si c'est celle-ci ou l'étant en bas, mais elles sont. Elle s'est allumée à la maison. Et on l'utilisait la première fois, elles ont été chargées à fond. Tu verras bien, quand tu rentres, tu les mets sur ton table. Ouais, faudra que je teste. Ouais. Non, mais non, quand même pas, mais. Venez nous rejoindre. Rapide quoi. Et alors? Oui, mais je sais pas si c'est un bug ou si. Oui, genre, on va la charger en rentrant et demain on la teste toute la journée. Parce que du coup, on devait. On a dû prendre celle d'en bas pour prendre une. Ou... Non, justement, c'est celle-ci. Voilà. Si on descend que l'autre en bas l'a allumée, il n'y a pas de doute. Si elle n'est pas allumée, oui, c'est que celle-ci, peut-être, elle a un bug, mais il faudra qu'on teste ça, mais... Un bug de quoi? Si tu veux qu'elle aille comme bug. De quel point, je vais tester la maison, je vais laisser allumer, c'est pas allumé pour autant, c'est bon. Le blanc, quand même, ça va changer que trois fois. Des fois, ça va s'éteindre, mais et la couleur, ça va, des fois, elle met que le rouge ou le vert, mais pas c'est mais pas trois fois. Bah oui, c'est ça qui est dingue. Ouais. Ah, ça me fait mal. Est-ce que vous pouvez faire clignoter la petite lampe qui est allumée? Pareil, le thérémine en bas, comment tu peux pas l'expliquer non plus. Il s'est déclenché à deux fois et là il se déclenche plus. C'est vrai que la première fois quand on était venu, il y a eu le pod qui faisait bip 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 bip. Regarde là, la plasma est là, il le fait pas. Hein, hein? La dernière fois il l'a fait ça.
La lampe, c'est déclenché. Là, on fout le machin, ça se rallume. Merci. Vous pouvez aller sur le petit boîtier noir qui est à côté de la lampe, justement, avec la petite LED verte. Ça s'allume en rouge aussi, si j'allais jusqu'au bout. Oui. Ça fait plusieurs couleurs aussi si vous touchez. Et vous avez aussi l'appareil avec l'antenne. Si vous approchez de l'antenne, ça va faire plusieurs couleurs et ça va faire un son. C'est dingue. Avec autre chose, quoi. Ouais, voilà. Que... Voilà. Oh, ça me fait mal, ça. Vous pouvez interagir avec un autre appareil que la lampe, s'il vous plaît ? Là, j'ai vraiment entendu un bruit. Allez voir. Un bruit quoi. Comme un boum, un machin quoi. De quoi ? Je sais pas. Tu l'as allumé, toi ? T'as appuyé sur... Ouais, c'est bon. Vas-y. Je vais à l'enregistreur, de toute façon, au pire. On va aller voir. Quoi ? C'est vrai ?
Merci. Merci. Hey. Merci. Hey. Merci. Le pod. Et c'est pas un bug, hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Moi, j'ai la chair de poule. Changé combien de fois là? 4. Est-ce que c'est vous qui venez de changer, qui venez d'allumer la lampe et de changer plusieurs fois de couleur? Si oui, est-ce que vous pouvez faire sonner le pod, s'il vous plaît? L'appareil avec l'antenne. T'as un trou en plus. Vous pouvez nous dire si on est les bienvenus ici? Si oui, si ça vous fait plaisir, si vous êtes content que l'on soit là. Est-ce que vous pouvez déclencher un de nos appareils, s'il vous plaît? Vous pouvez faire un bruit? On doit en déduire qu'ils sont pas contents qu'on soit là, quoi. Alors, si vous n'êtes pas content que l'on soit là, est-ce que vous pouvez allumer un de nos appareils, s'il vous plaît? Si vous êtes en colère qu'on soit là. Est-ce que ça ne vous fait pas plaisir? Calme là. Hein? Y a pas un bruit, pas un vent, pas. Oh. Ouais, regarde, ça recommence. D'ailleurs, c'est bien. Oui. Et là, ils vont pas plus loin. Ils s'arrêtent au bleu. Vous pouvez prendre de l'énergie dans la boule si vous en avez besoin. Venez prendre de l'énergie aussi sur le pod, s'il vous plaît. Je sais pas comment penser. Hein? Pour l'instant, on pense pas. Ben oui, on va tester. Faut qu'on teste ça parce que. Ouais, je sais pas. Bon. Voilà. Voilà.
Les deux sont allumés. Les deux sont allumés. Mais oui. Attends, j'aurais demandé si vous voulez une cigarette, de déclencher le pod ou le pod. Ah, il fait froid. J'ai froid, moi. J'ai froid comme ça. Là, je suis gelé, là. Mais la même encore. Ouais. Allumez l'autre. Faites la même chose. Laisse l'allumer, on va bien voir. Le pod. Allumez l'autre lampe. Bah oui, le problème c'est que c'est la même encore qui s'allume quoi. De côté celle-ci et on verra demain ou alors même déjà dans la voiture on peut voir si elle s'allume ou pas. Steven l'avait avec lui, il marchait et elle s'allume. Oui mais on est dans les lieux. C'est vous qui déclenchez le pod ? Où l'appareil blanc. Ah, moi aussi j'ai mal au dos. C'est quoi le truc rouge? C'est sa lampe. C'est normal parce que j'approche de l'antenne. Et voilà, il n'y a absolument rien. Tout est en bas, quoi. C'est bizarre. Il n'y a pas de raison qu'il se déclenche comme ça, quoi. Là, oui, voilà. Champ électrique. Voilà. 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 Champ électrique. La boule à plasma. Mais voilà, je suis là. Absolument rien. Et hop, je vais vous faire montrer. Voilà. Y a absolument rien. Donc je comprends pas pourquoi le pod se déclenche. Il devrait pas se déclencher. Sauf si quelqu'un se touche. Oui, non, mais ce que je veux dire. Oui, je sais. Ah, il n'y a rien. On va le laisser là. Il n'y a aucun champ. Il n'y a aucun champ électrique, magnétique ou wifi ou autre. Mais non, ça serait l'appareil, il sonnerait tout le temps. Il sonne pas tout le temps.
Bonsoir. T'as dit bonsoir, je crois. Moi je m'appelle David. Ça parlait au début, t'as vu? Et là, plus rien. Tu t'entends plus la radio? Tiens. Bon. On laisse ça là. On va chercher le. Ça me parle. C'est encore éteint le bordel. Le bordel? Bah lui, c'est encore éteint. On est à côté. Hein? Ça va, on est à côté.
revoir. Au revoir. Merde, on est obligé de passer la rue. Non, t'es longé là? Non, je crois pas. Ça m'étonnerait. Ouais. Par par là. Quoi? Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là en ce moment? Est-ce que les personnes dans ces murs veulent bien se manifester, s'il vous plaît? Faisant du bruit ou éventuellement en déclenchant un de nos appareils. Nous avons deux lampes blanches qui sont posées par terre. Il y en a une qui a été déclenchée toute la soirée. Vous pouvez la rallumer, s'il vous plaît? Vous pouvez appuyer sur le dessus pour la déclencher, pour l'allumer? Venez nous rejoindre, nous ne sommes pas méchants, on ne vous veut aucun mal. C'est quand même bizarre la lampe, je ne savais plus. Venez nous parler. Vous pouvez nous laisser un message si vous le désirez. C'est vous qui venez de faire ce bruit?
faire ce bruit un petit peu plus fort, s'il vous plaît? On va les recharger et on essaiera à la maison quand même, par pure. Être sûr quoi. Pour être sûr. Et oui, si c'était vraiment un défaut de la lampe, elle se rallumerait là quoi. Donc mes petits amis, voilà, donc l'enquête est terminée, hein. Nous avons fini l'investigation et bah, je peux vous dire qu'on a eu encore quelques petits résultats quoi. Encore la lampe qui s'est déclenchée à plusieurs reprises, donc à voir les rushs après, hein, on va examiner tout ça, mais je pense que l'enquête a été encore un petit peu surprenante quoi. Donc hein, qu'est-ce que vous en pensez vous? On n'a pas eu de porte qui a claqué cette fois-ci. Non. Voilà. Mais on a eu la lampe. Voilà. On a fait un petit peu de. Voilà, le pod aussi qui s'est déclenché. Donc, hein, comme vous avez pu voir avec l'appareil, que le nouvel appareil que nous avons, vous avez pu voir que l'on n'a pas de champ électrique, ni de Wi-Fi, ni de portable. Voilà. Et le pod s'est déclenché quand même. Donc aussi bien le pod nounours hein, dans la pièce en haut que le pod là à l'extérieur et puis les lampes qui se sont déclenchées. Et comme vous allez voir aussi sur la vidéo, par contre ici, c'est pas déclenché. Aucune lumière, aucun pod, rien. Ton terra, je sais pas quoi. Hein? Ton terra. Ah oui, Théramine aussi. Et le Théramine, oui, exactement, qui s'est déclenché à deux reprises tout au début de l'enquête. Nous avons posé en bas et pourtant voilà sur le plan fixe et pourtant on a fait le tour avec l'appareil, aucun champ électrique, aucun wifi, aucun portable, aucune source extérieure qui voilà je peux pas vous dire comment il s'est déclenché, j'ai aucune réponse là-dessus, donc on va voir le plan fixe hein, puisque c'était en plan fixe, on va voir ce que ça a donné après. Mais c'est vrai que ça nous a surpris. Et puis, à part ces deux fois-là, il ne s'est plus redéclenché de la soirée, quoi. Donc, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Mais bon, de toute façon, on va analyser tout ça. Et puis voilà. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Salut.
Pas du coup, je... Pourquoi? Parce que ça fait si long qu'on meurt, tu vois. Bah oui, je vais. Bonsoir mes petits amis. Faut recommencer. Ouais. Ah, mais derrière, ça va être dur. Non, il y a toujours moyen. Ah oh non, mais il faut. Je vais mettre comme ça. Mais non. En plus, je sais par quoi il commence, donc je dis. Bon, c'est moi qui vais le faire. Salut, petits amis. Heureusement, on peut couper tout ça. Hein. Vous dites quand vous êtes prête. Enfin, prête, prête, c'est pareil. Non. Bon, mais bonsoir. 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 Vous voulez pas qu'on fasse cette carrière? Il va falloir qu'on change la batterie tout à l'heure. Ouais. Ouais, puis vaut mieux pas qu'on fume, parce que tu fais quand tu rigoles. La grosse lumière. Hein. Bon, allez. C'est pareil, mais on va jamais y arriver. C'est ouf. Putain, c'est la faute à Joe, ça. Bah oui, c'est la faute de lui rigoler. C'est parce que je rigole que tout le monde dort. On fait pas des films, hein, parce que putain. Bah, ça se passe pareil dans les films. Oui, mais pas autant. Bonsoir, mes petits amis. Bonsoir. Oui. Bah bon. Mais il est pas salé. T'as tout gâché, ça. On était parti, là. Salut, mes petits amis. Ouais, c'est pareil. Allez, 1, 2. Bah oui, 2. Elle gâche tout, elle. Suis-toi, là, t'as les yeux qui pleurent, là. On t'a frappé avant. Bah ouais, c'est éclair. T'as connu. Oui, bah, enlève tes gants, on va aller. Non, je laisse mon morceau. Salut, mes petits amis. Donc, de retour au manoir aux Lumières. Hein, nous sommes revenus sur les lieux, car... Elle t'en dit comme ça, elle rigole. C'est parce qu'il était là. Il a regardé là-haut pour pas rigoler. Mais du coup, il m'a fait rire. Je rigolais pas, putain, j'étais concentré là. Moi aussi, trop. Ouais. Je suis là comme ça. Oh. On va recouper. Ah oui, obligé. Arrête de te faire rigoler. T'as un moment donné. En plus, j'ai pite. Allez. Salut mes petits amis. Donc, content de vous retrouver. Donc, de retour au manoir aux Lumières. Hein. Con, lui. Il pleut dans le monde. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Putain, il fait chier, lui. Mais je rigole parce que vous rigolez pas, tu vois. Non, allez, c'est bon, allez. Ouais. Sinon, on se la fait après. Hein. Non, allez, c'est bon. 3h20. Ah oui. Allez, dur. Salut, mes petits amis. Donc, retour au manoir aux Lumières. Hein, nous sommes revenus ici sur ce lieu. Parce que la dernière fois que nous sommes venus, nous avons eu des résultats, quelques résultats. Donc nous voulions voir si nous aurions eu... Vas-y, on l'a fait après, moi je peux plus, moi. Putain, il me fait chier, putain, je connais. Putain, je me concentre pour ça, j'arrive pas, là. Je laisse... Je peux plus, je peux. Moi, je t'ai imaginé quand il y a mon vrai nom, tu vois. Parce que je me rentais, tu vois. On l'a refait ou quoi? Non, on va Au revoir. Ah, mais tout à l'heure, on va y repenser à ce. Non, mais. Voilà. Les gars, c'est bien.